Hello, Michael. Do you hear me on French? Hello, hello. Hello, Emmanuel. I guess you're lonely in that booth. Yes, thank you. Moving back to Arabic.
Yes. Good afternoon, Your Excellencies and ladies and gentlemen. Thank you very much to everyone. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. Merci à tous ceux qui assistent à ce forum FGI 2022, ce forum ouvert, ceux qui sont en salle comme ceux qui sont en ligne. Donc, une thématique sur la transformation numérique. Nous avons à nos côtés, ainsi qu'en ligne, des panélistes. Je m'appelle Jean-Paul Adam, directeur au sein de la CEOA de la division de ressources naturelles. J'ai donc en premier lieu notre premier orateur, M. Dong Yu Li, ensuite M. Juan Li, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales. Nous avons l'envoyé spécial. Monsieur Wei Shun, directeur exécutif par intérim du directorat des Nations Unies pour la lutte contre la cybercriminalité. Monsieur Chen, Madame Cécile Actel de l'UNESCO, Madame Peggy Hicks, au commissariat des droits de l'homme. Nous avons également l'adjoint du directeur de l'UIT, du Bureau de développement des télécommunications. Nous avons également en ligne un représentant du PNUD, ainsi que du Bureau des pensions aux Nations Unies. À mes côtés ici, Madame Hélène Molinier, conseillère principale en innovation de la part d'ONU Femmes. Nous sommes très bien entourés de la part d'experts distingués. Donc, merci à vous tous d'être ici. Merci aussi aux intervenants d'être assez succincts. Nous avons le plaisir d'avoir la présence en ligne de M. Junhua Li pour son discours de bienvenue à vous. Secrétaire général adjoint. Merci. Merci. Bienvenue à toutes les entités des Nations Unies dans le cadre de ce forum ouvert. J'espère qu'on pèse tous donc à l'importance de ce genre d'échange et la participation et l'assistance des agences onusiennes. Aujourd'hui, nous travaillons tous aujourd'hui autour d'un sujet très important pour solliciter les États membres et les accompagner surtout lors de leur transition numérique et leur transformation numérique. Donc, ce dialogue ouvert. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on le tient entre nous. À mes yeux, ou au secrétariat de UNDESA, nous avons rapidement compris les multiples défis en ce moment, qu'il s'agisse des changements climatiques ou encore des obstacles liés donc à la de paix et sécurité, donc des conflits régionaux ou encore des problématiques de santé publique. Donc, nous aimerions mettre à profit nos expertises variées et au profit donc
du bien public. Donc, on est là pour partager nos meilleures pratiques, tous en faveur de l'accélération des ODD. Nous sommes tous présents ici pour maximiser notre présence au sein de ce forum FGI, une plateforme unique à nos yeux qui permet de mobiliser toutes les parties prenantes, mais surtout nous, en tant qu'entité des Nations Unies, on a besoin d'être avant tout mobilisés nous-mêmes. De ce point de vue, nous sommes convaincus que 2,7 milliards d'habitants continuent à être hors ligne et il faudrait non seulement être connecté, ceci est insuffisant, encore faudrait-il que les groupes vulnérables puissent accéder à l'Internet et cela uniquement de façon significative. Ainsi, l'importance d'une synergie sur plusieurs fronts. Voilà pourquoi nous attachons une importance hors pair à ce dialogue entre entités des Nations Unies. Merci. Merci beaucoup, secrétaire général adjoint. J'ai le plaisir d'inviter notre premier panéliste, M. Amandeep Singh, donc l'envoyé spécial des Nations Unies en matière de technologie. Alors, que dites-vous sur les grandes avancées de l'organisation en matière des TIC et de l'appui aux transformations numériques dans plusieurs pays où les Nations Unies agissent, notamment dans le contexte de développement et de renforcement de synergies? Merci. Il y a plusieurs collègues qui vont intervenir après moi sur plusieurs thématiques à partir de leur perspective individuelle. J'aimerais vous proposer donc un aperçu panoramique. Les Nations Unies agissent à deux niveaux en matière de transformation numérique. Du point de vue du secrétaire général des Nations Unies et du secrétariat, il y a le niveau, le premier niveau qui est celui d'avoir une clarté absolue sur ce qu'on considère être la bonne approche pour profiter des diverses opportunités tout en gérant les risques. Sur les 5 dernières années, depuis donc le panel de haut niveau en matière de coopération numérique, ainsi que la feuille de route associée et bientôt donc le rapport en vue du pacte numérique mondial pour aider les pays à réfléchir à la transformation numérique de manière donc très détaillée. Comment donc garantir la responsabilité, l'inclusion et vis-à-vis des ODD qui, entre autres, comprennent l'objectif qui est celui de ne laisser personne de côté, donc d'où l'importance donc de cet appui de haut niveau. Le deuxième niveau annoncé, les collègues dans les différents systèmes ou l'écosystème, notamment au sein de l'UIT, pour renforcer les infrastructures physiques, renforcer les normes en matière de cybersécurité et les capacités liées pour appuyer cette connectivité. Au sein du PNUD, par exemple, il y a des domaines très particuliers, pointus de coopération pour les États membres en fonction des besoins. Pendant la pandémie COVID, par exemple, il y a eu l'exemple d'une stratégie des Nations Unies en matière de santé déclinée par domaine où les nouvelles technologies peuvent amener un réel progrès. Voilà donc ces deux domaines ou ces deux niveaux sur lesquels les Nations Unies, du point de vue du secrétariat, agissent. Merci infiniment. Je pense qu'on amène désormais donc une compréhension des opportunités comme des risques. Alors, je me tourne vers notre plateforme en ligne pour écouter donc le directeur général de la FAO à vous sur les transformations numériques. Merci, cher modérateur. Bon après-midi. Je vous salue à partir de Rome. Donc, Excellence, mesdames et messieurs, bonjour.
Il y a eu plusieurs crises et défis dernièrement, de la pandémie COVID-19 au conflit en Ukraine. On comprend désormais les conséquences locales de toute interruption et perturbation au niveau international. Aujourd'hui, près d'un milliard de personnes risquent la famine. Dans plusieurs pays, il y a au-delà de 3 milliards de personnes qui n'ont pas les moyens de manger à leur faim. Cette réalité exige qu'on reconsidère nos priorités et un besoin d'une société plus résiliente. L'agenda à 2030, à l'horizon 2030, n'est pas si loin. Et il faudrait qu'on en parle tout de suite si on compte encore réaliser des objectifs. L'intelligence artificielle, interliée avec la science et l'innovation, la technologie numérique, qui a donc un potentiel infini de réduire les disparités mondiales et permettre, entre autres, aux éleveurs d'accéder à l'information, aux renseignements et aux prix pour faciliter donc les prix. On pourrait ainsi donc réduire le fossé entre consommateurs et agriculteurs et ainsi éviter les stockages inutiles en écoulant plus rapidement leurs stocks. La FAO, depuis que j'ai intégré la FAO en 2019, pour établir une FAO numérique, on a entre autres l'initiative numérique en vue d'une transformation numérique du système agroalimentaire. On cherche à agrandir les capacités numériques des systèmes agroalimentaires afin qu'on puisse accéder en temps réel, des renseignements fiables, proposer ces renseignements fiables aux agriculteurs, lesquels pourraient désormais accéder à de nouvelles technologies et proposer globalement des solutions qui puissent aussi répondre aux défis liés au changement climatique pour les petits États insulaires dans l'Asie-Pacifique. Il y a aussi des mécanismes d'intervention d'urgence. Donc, chers collègues, oui, désolé de vous couper, Excellence, et il vous resterait peu de temps, donc merci de conclure dans les 30 secondes qui suivent. Très bien, cela me suffit largement. Alors, en parlant d'économie numérique et de gouvernance numérique dans une société numérique, la FAO se portera donc leader pour transformer l'agroalimentaire pour une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure qualité de vie. Merci beaucoup, cher directeur général, pour avoir établi ce lien entre l'adoption de solutions numériques et la lutte contre les changements climatiques, des phénomènes très présents ici sur le continent africain. J'ai donc le plaisir d'inviter un autre prochaine intervenante, Dr Cécile, vous disposez de 2 minutes. Oui, bien évidemment, merci beaucoup. Excellences, mesdames et messieurs, chers collègues, UNIDIR est une institution qui publie des recherches indépendantes sur le désarmement et des questions de sécurité. Nous avons été impliqués de façon très active sur les questions de sécurité nationale liées au TIC sur plusieurs années. Nos contributions auront donc contribué à alimenter plusieurs donc politiques. Nos activités les plus récentes portent sur 3 domaines d'action. Premièrement, nous appuyons l'opérationnalisation du cadre de comportement responsable des États dans le cyberespace. Il s'agit d'une initiative qui appuie
le président du groupe de travail ouvert en matière de cybersécurité. Ce groupe de travail ouvert, composé d'États membres, a démarré ses travaux l'année dernière et va donc continuer jusqu'à 2025. Ainsi, nous facilitons donc la tenue de deux séances et soutenons donc les dialogues parmi les États membres sur des thématiques telles que la caractérisation et l'attribution d'actes malicieux dans les cyberespaces. Deuxièmement, les mécanismes de gestion de crise. Nous avons élaboré et conçu des séances virtuelles comme en personne avec plusieurs organisations à travers le monde pour mieux gérer au niveau des politiques des incidences en matière de cybersécurité. Nous avons donc mis à l'avant plusieurs outils et cela au niveau régional et international pour mieux pouvoir gérer les incidents cyber et contribuer à la résolution des crises. Dans le cadre des discussions les plus urgentes en matière de cybersécurité, notamment le besoin en infrastructures critiques. Par ailleurs, nous continuons donc à contribuer dans la conception des outils pour aider à renforcer la confiance entre les États membres des Nations Unies. Nous contribuons globalement à un monde plus sûr, hors ligne comme en ligne. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir établi ce lien entre les efforts en vue de la cybersécurité et le fait de riposter aux menaces ainsi que le principe de la transformation numérique. Ceci me permet donc de passer au prochain orateur, M. Chen, directeur par intérim du directorat de lutte contre le cyberterrorisme. Merci de nous expliquer comment votre organisation contribue à la transformation numérique. Merci. Je voudrais souligner trois domaines. La sécurité, les droits de l'homme sont parmi les objectifs fixés par l'organisation et nous devons aborder cette question de ce point de vue, à savoir que ces domaines sont complémentaires. Ensuite, il y a le domaine des mandats des Nations Unies, c'est-à-dire que nous faisons une évaluation des États membres et l'on facilite la fourniture d'assistance et également on essaye d'identifier les nouvelles tendances et les défis qui se posent en matière de TIC et de cybersécurité. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup des lacunes et des besoins dans ce domaine et c'est la raison pour laquelle nous avons recommandé aux États membres d'envisager de mettre en place des actions avec aussi les opérateurs des télécommunications. La déclaration de New Delhi adoptée par le comité en Inde a encouragé les États membres à travailler dans ce domaine, notamment la mise en place de ces principes pour relever les défis que je viens d'énoncer. Deuxième domaine, je crois que l'ONU doit continuer à intensifier ses efforts et son dialogue avec cette approche à trois volets que je viens d'évoquer tout à l'heure, avec tous les gouvernements, toutes les institutions des Nations Unies. Et le pacte de l'ONU sur le contre-terrorisme s'inscrit dans cela. Ça peut être un véhicule utile qui nous permettrait de relever les défis en matière de sécurité des TIC. Merci. Merci, M. Chen. Merci d'avoir expliquer que le contre-terrorisme va bien au-delà de ce qu'on a discuté aujourd'hui, identifier les tendances, évaluer tout cela. Et je passe maintenant à Tufik Jalassi, directeur général adjoint de la communication et de l'information à l'UNESCO. On souhaite vous écouter sur le travail que l'UNESCO fait en matière de transformation numérique. Merci. Comme vous le savez,
L'UNESCO est une institution spécialisée des Nations Unies et son mandat veut qu'elle crée la paix dans l'esprit de l'homme et de la femme. Comment le faire? Eh bien, en faisant la promotion de la libre circulation des informations, d'idées avec plusieurs parties prenantes, la société civile, les États membres, les milieux universitaires, les instituts de recherche et bien d'autres partenaires clés. Nous avons fait un plaidoyer pour une approche axée sur l'homme. Et nous avons aussi fait la promotion de Rome X, c'est-à-dire une approche qui porte sur des questions transversales. Et aujourd'hui, il y a 44 pays qui ont utilisé l'universalité d'Internet, ces indicateurs, pour faire une évaluation de leur situation digitale. L'année dernière, l'UNESCO a fait des recommandations sur l'éthique liée à l'intelligence artificielle. C'est le premier instrument qui a été proposé pour l'intelligence artificielle. On a proposé aussi un cadre pour les fonctionnaires en matière d'intelligence artificielle, mais aussi le renforcement des capacités, la formation de plus de 24 magistrats, procureurs, en ce qui concerne les normes en matière des droits humains. Permettez-moi aussi de conclure notre conférence de février, Internet pour la confiance, réglementer les réseaux sociaux pour que la formation devienne un bien public et pas un dommage public. Nous le faisons à travers des consultations régionales et thématiques autour de ce thème si important. Comment réglementer les plateformes digitales tout en assurant la liberté d'expression en ligne? C'est une frontière qui est assez floue et donc il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Nous invitons tous à venir à Paris en février pour cette conférence mondiale. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous avez effectivement illustré vous aussi que pour le monde en développement, ces nouvelles technologies sont une opportunité énorme et qu'il va falloir les maîtriser pour atténuer les risques. Madame Peggy Hicks maintenant, qui va elle aussi nous donner son point de vue sur la transformation numérique pour ce qui est du Bureau des droits de l'homme. Merci, je suis heureuse d'être des vôtres. La première chose que j'aimerais dire concernant ce bureau, c'est que nous devons souligner la manière dont on considère le cadre sur les droits humains, qui est un outil essentiel et qui permet d'aider les États, les entreprises et la société civile, lui permettre de naviguer ce monde virtuel. Et donc, comment utiliser cela? Alors, nous le faisons en travaillant avec tous les secteurs, une approche à plusieurs secteurs, avec les gouvernements, les entreprises, la société civile. Pour ce qui est des États, eh bien, nous essayons de voir comment on peut apporter un appui technique afin de leur permettre de relever les défis importants qu'ils ont en matière de réglementation de l'intelligence artificielle, son impact sur le caractère privé de la vie des uns et des autres et aussi la réglementation de la liberté d'expression. Ce sont des questions importantes, comme l'a dit mon collègue, et nous avons des propositions qui ont été faites à travers différents modèles, en tenant compte bien sûr des réalités de chaque pays. Nous croyons aussi qu'il faut avoir des garde-fous, c'est-à-dire comment utiliser les technologies digitales, notamment autour des thèmes très délicats, faire respecter la loi en matière des droits de l'homme et aussi les services publics, la protection sociale et la santé. Aussi une bonne connectivité et mettre fin aux fermetures d'Internet. Avec les entreprises, eh bien, nous essayons de faire en sorte qu'ils respectent leurs obligations dans le cadre des droits de l'homme. Nous avons, par exemple, une discussion avec ces entreprises à travers ces plateformes pour voir comment elles peuvent s'acquitter de leurs devoirs pour réduire les risques de violation des droits de l'homme. Nous voulons élargir ce projet et avoir une approche particulière pour l'Afrique cette année. Nous croyons aussi que la société civile joue un rôle essentiel dans tout cela et nous voulons leur créer un espace. Cela signifie qu'il faut protéger l'accès en ligne, assurer la sécurité digitale et faire en sorte que nous fassions tous nos efforts pour que l'espace digital soit un lieu sûr, sans intimidation, sans représailles sur la base de ce qui se passe en ligne. Merci. Merci, Madame Piggs. Alors, je crois qu'on a entendu clairement comment on peut
pas aborder la question de la transformation numérique sans tenir compte des droits humains, avec l'inclusivité et la protection des droits de tous les citoyens. Monsieur Béraud, directeur de l'UIT qui va être en ligne. Monsieur Stephen Béraud, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle que peut jouer l'UIT dans la promotion de la transformation numérique? Merci, bonjour à tous. En tant qu'institution spécialisée de l'ONU sur les DIC, avec une histoire de 155 ans, eh bien, nous nous appuyons sur nos compétences techniques qui existent depuis au moins 150 ans pour faire en sorte tout d'abord que le téléphone, la communication, le passage au TIC, que tout cela reste sûr, sécurisé dans tous les États membres. Nous venons d'achever notre 22e conférence et nous avons parlé de transformation numérique qui est devenue au cœur de nos activités pour les années à venir. Nous savons qu'il faut être très sérieux pour aborder cette question, pour réduire la fracture numérique et assurer des connexions sécurisées qui seraient un fondement de cette transformation numérique pour tous. Après les deux années de confinement et de difficultés, eh bien aujourd'hui, le numérique occupe une place centrale dans toute la société, l'entreprise et la vie sociale. Le manque d'accès à Internet ou l'incapacité parce qu'on n'a pas les compétences nécessaires, eh bien tout cela est en train de créer une sous-classe en quelque sorte qui représente 2,9 milliards de personnes qui ne sont pas encore en ligne et qui vivent avec des connexions très faibles. Ceux qui sont exclus de la connexion pourraient ne jamais rattraper ce retard, mais nous croyons que pour résoudre cela, il faut avoir une coopération. C'est ce que nous avons lancé en 2021 avec comme objectif de catalyser les actions et les engagements en faveur de cette connectivité universelle. Une plateforme consacrée à cela a attiré plus de 29 milliards de dollars de la part d'entreprises privées, des gouvernements, des institutions des Nations Unies et des ONG et la communauté internationale. Certains de ces partenariats, parce que c'est essentiel pour l'avenir, c'est GIGA par exemple, que nous avons, partenariat que nous avons avec l'UNICEF pour introduire Internet dans l'école et aussi la société de l'information qui est un processus qui montre combien il est important d'avoir une coopération afin d'atteindre les objectifs en numérique selon des lignes qui ont été déjà déterminées. Merci. Merci Monsieur Béraud. Je me félicite de vous avoir entendu parler de la fracture numérique qu'il faudra traiter et je crois que cela se pose surtout comme problème en Afrique. Robert Hopper maintenant, qui est fonctionnaire du PNUD, qui s'occupe de ces questions et qui est en ligne. Monsieur Hopper, dites-nous comment est-ce que le PNUD s'occupe de la transformation numérique. Merci beaucoup, merci de m'avoir inclus dans ce panel. Écoutez, je crois que la pandémie de la COVID a été un tournant pour beaucoup d'entre nous. On a compris combien la fracture numérique pouvait devenir un obstacle au développement. Et aujourd'hui, je crois qu'on a tous compris que les technologies digitales sont essentielles pour le développement de l'avenir. Cela nous a aussi de mieux comprendre les risques tels que mentionnés par les autres orateurs. Sur nos efforts vis-à-vis de la gouvernance, nous avons déjà appuyé un grand nombre de solutions numériques et notre réseau de 92 laboratoires accélérateurs ont déjà été très utiles. Quand il s'agit d'une approche holistique de la transformation, nous travaillons avec au-delà de 40 pays en matière de comment l'on conçoit une société numérique. Cela peut se traduire par des exercices en matière d'élaboration de stratégies, encore de visualisation d'une économie numérique, avec
des pays comme le Liban. Dernière chose, quelque chose qui n'a pas encore été évoqué dans ce dialogue-ci, mais je sais que ça a été déjà abordé ailleurs. Comment est-ce qu'on peut contribuer à renforcer une communauté entre pays dans l'utilisation des outils numériques dans les infrastructures, pour les infrastructures déjà existantes? Quelle est donc l'architecture nécessaire qui va donc pleinement profiter des biens publics nous permettant de travailler ensemble en tant que communauté? À cet effet, nous travaillons entre autres avec plusieurs entités, donc, dont l'Alliance des biens publics numériques. Nous agissons auprès de 15 pays aujourd'hui. J'aimerais aussi citer la Fondation Bill et Melinda Gates. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accentué le rôle des acteurs nationaux en matière d'architecture. J'inviterai M. Dino Delaccio du Bureau des pensions des Nations Unies. Merci de nous en dire plus dans le cadre de vos travaux. Oui. L'expérience ou le vécu au sein du Bureau des pensions aux Nations Unies. Nous avons donc une expérience très pratique en matière de transformation numérique. Ce fonds de pension, en réalité, a pu développer donc sa propre transformation numérique en 2021, donc le moment où on a commencé un système numérique pour au-delà de 80 000 bénéficiaires résidant dans pratiquement 200 pays dans le monde. Cette initiative répondait ou en tout cas proposait de résoudre un problème critique. Donc, ce fonds de pension des Nations Unies qui n'a jamais été jusque-là automatisé, et c'était une véritable transformation numérique parce que pour 70 ans, pratiquement, les bénéficiaires de ce fonds de pension des Nations Unies le faisaient de façon encore trop mécanique. Ceci dit, ce processus a été appuyé, ou en tout cas a été basé sur un format uniquement papier qui est ensuite envoyé par courriel par des milliers d'individus, ensuite signé et retourné au fonds de pension à travers donc les services postaux multiples à travers le monde. Donc, vous imaginez les problèmes qui pourraient donc émaner de ce fonctionnement, des délais souvent et parfois une suspension des paiements. Ceci a été un problème qui a enfin pu trouver résolution grâce à notre recours aux nouvelles technologies et cela grâce à la stratégie du secrétaire général. Nous avons eu recours à la biométrie et à la blockchain. Ce système nous a permis, notamment par le biais de la reconnaissance faciale, de sécuriser l'identité, l'existence, la transaction et le lieu géographique de la requête. Merci infiniment, M. Delaccio, pour ce merveilleux exemple, un exemple très pratique de transformation numérique. Notre dernier intervenant pour cette première ronde est donc d'ONU Femmes, Madame Céline. On aimerait donc vous écouter sur les dernières initiatives en matière de transformation numérique. Merci, merci. J'aimerais parler des initiatives au sein de l'ONU Femmes, notamment ce qu'on a lancé l'année dernière, l'innovation pour l'égalité hommes-femmes, un forum lancé à Paris, qui a entre autres donc, suscité un engagement des parties prenantes pour, de façon conjointe, proposer une connectivité significative pour les jeunes filles et les femmes et envers une transformation numérique. Nous avons pu donc obtenir l'engagement de plusieurs pays pour réduire cette fracture numérique basée sur le genre, mais aussi de concevoir des technologies sensibles au genre et minimiser
la violence à l'encontre des femmes en ligne. Nous préparons donc la commission l'année prochaine sur le statut des femmes pour la toute première fois, donc mars de l'année prochaine. Et pour la première fois, le thème va donc porter sur l'examen de l'innovation et la technologie du point de vue du genre. Nous travaillons désormais avec les États membres pour revoir donc le cadre normatif. On travaille sur des messages forts dans le besoin d'explorer de nouvelles solutions, de nouvelles approches à la numérisation, une approche sensible au genre autour des valeurs telles que l'inclusion. Nous comptons un grand nombre d'experts qui ont déjà publié en la matière. Ces publications seront disponibles en ligne sous peu sur une grande variété de sujets avec très souvent la perspective genre et la dimension genrée ainsi que l'aspect ou les problématiques numériques. Alors, j'aimerais vous indiquer qu'il vous reste très peu de temps. Je vous accorde 30 secondes pour conclure. Très bien, je disais justement que ces publications touchent à l'éducation, à réduire les clichés, les stéréotypes dans l'éducation, notamment dans les domaines scientifiques. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer donc à la deuxième série de questions. Merci de toutes les contributions. Nous allons nous tourner vers les panélistes pour pouvoir entendre leur perspective sur comment l'ensemble de la famille onusienne pourrait agir conjointement dans le cadre du pacte numérique mondial. J'aimerais commencer par M. Amandeep Singh. J'aimerais que chaque panéliste puisse se tenir au temps alloué afin qu'on puisse résumer vos recommandations comme étant l'une des conclusions de ce débat. Je pense que nous attendons deux débats importants en 2023. Et en 2024, le sommet du futur, où le pacte numérique mondial sera donc adopté. Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, les organisations onusiennes de part et d'autre font un travail remarquable, comme vous l'avez entendu, pour trouver des solutions aux problématiques les plus urgentes. On vise des initiatives de plus en plus ambitieuses pour les États membres. Par exemple, on aurait besoin d'une feuille de route qui pourrait mettre ensemble les capacités et les ressources des différentes agences onusiennes, et cela au niveau pays, au profit des États membres. Dans la même veine, il faudrait qu'on puisse passer à la prochaine étape de déploiement de données de façon ciblée par ODD, notamment l'agriculture verte, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la transition verte, la santé, rassemblant donc les données avec une vision commune. Et enfin, le pacte mondial numérique devrait donc rafraîchir ou remettre à jour donc les façons de réfléchir et de voir les normes, les principes partagés. Ainsi, cette transformation devrait bénéficier tous tout en respectant les droits humains. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur Dans le Q de la FAO en ligne, merci de votre avis. Quelles sont les priorités en matière de mise en œuvre du pacte mondial numérique? Merci. Monsieur Dong Q. On dirait que vous n'êtes plus en ligne pour l'instant. Passons en attendant à Monsieur Hopp. Merci. Il y a en effet plusieurs priorités, dont de garder ou de sauvegarder la sécurité et la sûreté du cyberespace, tout en travaillant sur la transformation de ce cyberespace. On constate tous que la famille onusienne peut travailler ensemble
sur plusieurs choses, dont ce pacte mondial numérique. Quelques exemples, UNIDIR a déjà entrepris lors des derniers mois en matière de cybersécurité. Et premièrement, en collaboration avec UNITAR, nous avons conçu des programmes de renforcement de capacités qui ont donc convié 50 participants environ à chaque fois de des pays en développement pour étudier la question de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, nous avons entrepris des études de la dimension cyber des conflits en cours et leur impact. Troisièmement, UNIDIR est un membre actif du Centre des Nations Unies en matière donc d'initiatives de réforme du secteur de la sécurité, pour vous montrer donc l'étendue des problématiques numériques et comment les agences onusiennes pourraient collaborer. En conclusion, je dirais que la collaboration onusienne vis-à-vis du pacte numérique mondial est essentielle en vue d'une meilleure sûreté et sécurité dans le domaine cyber, qui exige par définition une approche multipartite comme multidisciplinaire. Ensemble, on pourrait donc mobiliser davantage et plusieurs parties prenantes pour mobiliser les différentes forces et ressources afin de maximiser le potentiel de la transformation numérique pour tous. Merci. Merci beaucoup, Dr. Cécile. C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs tendances qui se conjuguent ici. Monsieur Chen, maintenant, nous aimerions savoir comment votre organisation voit les priorités dans le cadre de ce pacte numérique. Je crois que nous nous sommes mis avec les autres entités, avec des mécanismes de coordination, nous avons pu investir. Et donc, il y a eu une synergie améliorée entre les équipes pays de l'ONU et puis il y a le bureau du coordonnateur résident de l'ONU avec les entités au siège. Nous espérons pouvoir réaliser des progrès. Une deuxième chose, il nous faut faire de notre mieux pour éviter le chevauchement des efforts, la répétition, la concurrence entre entités de la famille des Nations Unies. En effet, il est nécessaire de renforcer nos efforts différenciés mais communs pour réaliser les objectifs de la transformation numérique comme on le décrit dans le pacte. Alors, ce qui est bien avec la famille des Nations Unies, c'est que les institutions ont chacun son rôle, différentes fonctions par entité, ce qui facilitera la réalisation des objectifs de ce pacte mondial numérique. Merci. Oui, faire en sorte que l'information circule librement est un premier pas peut-être pour s'assurer que cela se passe à l'extérieur des Nations Unies. Monsieur Djelassi, selon vous, quelles seraient les interventions les plus importantes nécessaires pour créer ce pacte mondial numérique? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut travailler sur l'universalité d'Internet avec notre conférence sur la réglementation des plateformes digitales. Ce sont des projets précis qui, selon nous, devraient être une contribution à la mise en place de ce pacte numérique mondial. De manière plus générale, nous travaillons avec l'UIT, avec d'autres organisations des Nations Unies, dans le cadre de la Commission sur la large bande, avec le bureau du Haut Commissaire sur les droits humains, la liberté de presse, aussi tous les crimes commis contre ceux qui travaillent dans le monde des médias, et également tout ce qui a trait aux langues locales, qui ira de 2023 à 2033, et nous croyons que cela va se conjuguer avec les autres entités des Nations Unies. Le dénominateur commun est essayer de voir comment on peut défendre les droits humains en ligne, comment contribuer à la mise en place d'un code de conduite pour l'intégrité de l'information publique et comment créer un pacte numérique mondial pour assurer un Internet gratuit, libre,
sécurisée. Comme on l'a dit, la coordination au sein du système des Nations Unies est absolument essentielle pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions nous exprimer une seule voix. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Notre travail est complémentaire et il faut le faire en sorte que 1 plus 1 égale 3. Merci. Merci, Monsieur Gelassi. Oui, il y a un effet multiplicateur dans tous nos efforts, vous l'avez bien dit. Madame Six, droit de l'homme maintenant. Comment est-ce que l'on peut utiliser le pacte mondial pour défendre les droits de l'homme? Comment le faire pour ce qui est des droits digitaux? Eh bien, je crois que le point de départ le plus important, c'est dialoguer avec la société civile et l'associer à ce processus. C'est ce que nous avons appris au cours de cette période qui vient de s'écouler, la pandémie du Covid. Et aussi, il faut que cette participation soit significative. Et pour cela, il faut que l'on assure la protection également de ces intervenants. Et donc, il faut réfléchir à cela. On l'a vu dans le cadre d'autres conférences mondiales. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le système des Nations Unies doit réfléchir à la manière dont on peut devenir un modèle qui pourrait être associé à ce processus, c'est-à-dire le respect des droits humains au sein des Nations Unies à travers ces technologies digitales. Et nous avons aujourd'hui une équipe qui travaille sur la manière dont on peut faire mieux. Et cela sous un mandat du secrétaire général, voir ensemble comment on utilise les technologies digitales qui respectent les droits humains, ou en tout cas éliminent les risques d'atteinte aux droits humains dans ce domaine. Troisièmement, je ne vous surprendrai pas, c'est de faire en sorte que nous exprimions d'une même voix, je me félicite qu'on l'ait déjà dit, notamment en ce qui concerne comment est-ce qu'on peut introduire les droits humains dans ce processus et que par nos actions, on ne fasse pas de la sous-enchère dans ce domaine, parce que les droits humains sont un outil précieux que l'on peut utiliser dans ce processus qui vise à créer un dialogue utile avec les différentes parties prenantes. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'effectivement, nous voulons faire de cela une réalité. Monsieur Stephen Barrow, en ligne. Du point de vue de l'UIT, qu'en pensez-vous? Quelle est la priorité en matière de pacte numérique mondial? Merci. Oui, je crois que la première chose que j'aimerais dire, c'est que on contribue tous à ce pacte numérique mondial. Et c'est ce qu'avait dit le secrétaire général, l'importance du numérique pour l'avenir, et qu'il est impossible de s'engager dans une sphère quelle qu'elle soit si on ne fait pas cela. Cet objectif commun nous permettra d'avoir un futur digital sécurisé pour tous à l'UIT. Nous avons fait beaucoup de travail pour assurer la transformation numérique. Une chose ressort clairement, c'est que la coopération entre les différents acteurs impliqués est essentielle. Et c'est en mettant ensemble nos compétences que l'on pourra aider les gouvernements, la société civile, les entreprises de mener cet effort collectif pour assurer la transformation. Mais pour cela, il faut se mettre d'accord sur un au sein des Nations Unies, comme avec toutes les parties prenantes. Et c'est ce que nous fournit le pacte numérique mondial. Donc, l'UIT aura rapproché donc, plusieurs de ces parties prenantes sous forme d'un groupe. On aimerait aider à renforcer donc, un système qui nous fasse avancer tous ensemble vers un système donc, plus équitable. J'ai déjà évoqué plusieurs initiatives, notamment un projet GIGA ainsi que d'autres partenariats qui nous permettent de travailler donc, de façon étroite. Nous sommes tout à fait prédisposés à partager ce qu'on a appris tout au long et en faveur d'une approche collective que pourraient donc encourager les Nations Unies. Merci beaucoup. Cette approche collective a déjà été démontrée dans ce panel. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire. Alors, Monsieur Robert Opp, merci de votre perspective du PNUD. Vous êtes connecté, donc vous allez nous parler virtuellement. Quelle est la première chose à faire
dans le cadre de ce pacte numérique. Oui, j'espère que vous m'entendez, malgré la coupure tout à l'heure. Oui, ça a été une coupure de 30 secondes. On vous reçoit 5 sur 5, allez-y. Oui, j'aimerais vous... Je pense que le pacte numérique mondial est véritablement l'occasion du siècle pour cette génération, pour s'unir autour de principes communs. Il y a donc tout un travail normatif qui est en cours et une mise en œuvre qui attend par définition. Donc, certains panélistes ont déjà donc évoqué plusieurs aspects des droits numériques et ce que cela implique. Mais donc, pour en venir aux efforts du PNUD, il s'agit véritablement donc d'efforts conjoints. Ce que j'aimerais souligner, c'est que chaque pays dans le monde aujourd'hui s'attelle à renforcer son infrastructure numérique, qu'il s'agisse de façon inclusive, responsable, s'articulant autour de ces valeurs communes dont on parle avec une conformité donc au système reflété par les Nations Unies ou pas. Et il faudrait qu'il y ait donc une motivation qui donc sauf sur ce que l'on fait aujourd'hui. Il faudrait donc une cohérence, une stratégie dans notre approche en faveur de cette transformation numérique souhaitée qui ne laisse personne de côté. Merci beaucoup. J'apprécie énormément comment les 30 secondes comptent bien quand l'orateur intervient pour moins de 2 minutes. Je vous avais souligné un aspect important en Afrique. On est en train d'installer l'infrastructure et la réglementation en même temps. Et cela doit s'adapter pour pouvoir délivrer. Et je pense qu'il y a de bons exemples où on est capable de faire ça. Et nous apprécions UNDP's rôle sur le ground. Merci au PNUD pour le rôle joué dans ce contexte. Je reviens à M. Dino Delatio. On aimerait vous dire à quel point nous avons apprécié donc, l'exemple pratique du Fonds de pension des Nations Unies. Quel est le rôle de votre organisation dans le cadre de ce pacte? Merci. Je vais donc citer 4 éléments. Premièrement, donc, fêter les réussites. Notre bureau a été donc récompensé par le bureau du secrétaire général des Nations Unies, une récompense, un prix sur l'innovation et la durabilité. Ceci m'a accordé le privilège de diriger un groupe de travail sur la transformation numérique au sein d'un organe qui existe à travers toutes les agences onusiennes, le réseau technologique numérique. Pour éviter les doublons, pour partager les bonnes pratiques, pour définir ce qu'on considère être une réussite, il est important donc de pouvoir compter sur des indicateurs de performance clés afin d'avancer. Troisièmement, nous avons un dénominateur commun aujourd'hui dans la mise en œuvre et dans l'élaboration de solutions. Nous travaillons étroitement avec les Nations Unies et le Centre international des Nations Unies d'informatique, donc UNIC par son acronyme, qui a un mandat de fournir un soutien technologique ainsi que plusieurs services à travers le système onusien. Et ceci nous a été d'un grand aide. Ceci nous a rapproché d'une solution donc beaucoup plus vaste et nous permet aujourd'hui notamment d'avoir à nos côtés plusieurs autres agences, dont le PNUD d'UNICEF, et nous travaillons ensemble donc avec ces 5 autres entités onusiennes pour créer une identité numérique onusienne pour tout le personnel des Nations Unies à travers le monde. Ceci a été reconnu comme réalisant 4 des 8 principes du pacte numérique mondial, dont la protection des droits, le renforcement de capacités technologiques, la démonstration de l'identité légale et physique et comment celle-ci doit être reconnue dans le monde numérique, ainsi en créant et en renforçant la confiance numérique en utilisant, entre autres, les nouvelles technologies telles que blockchain pour créer donc des preuves immuables et enregistrer les transactions qui ont été établies et traitées. Merci. Merci infiniment pour ce partage d'exemples tout à fait inspirants. Alors, le tour à ONU Femmes, quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce qui constitue une mise en œuvre réussie du pacte? Merci. L'une de nos priorités vis-à-vis de ce pacte.
ce qu'on a déjà lancé est une déclaration conjointe lors de notre Assemblée générale septembre dernier. Et ceci a été adopté donc par un grand nombre de nos parties prenantes en matière donc d'égalité du genre au cœur de nos préoccupations vis-à-vis du pacte numérique mondial. Nous avons été tout à fait reconnaissante du soutien qui a été reçu. Cela envoie des messages très clairs en faveur donc de l'autonomisation des femmes et de la protection des femmes et en faveur d'une plus grande inclusion et une meilleure représentation des voix marginalisées. Nous l'avons vu, nous comptons au-delà de 15 entités qui se rapprochent, notamment pour les négociations. On constate aussi qui a eu donc la publication d'un rapport qui, je l'espère, sera donc un parmi plusieurs autres pour transformer donc les normes qui devraient être un des piliers du pacte. Il y a une vaste étendue de priorités dont notre rôle au sein de l'ONU-FEM est de faire en sorte que tous nos partenaires participent donc à cette consultation ouverte qui vient d'être initiée. Donc, on anticipe donc toutes les contributions à cette plateforme en tant que participant actif. Merci beaucoup, Madame Molinier. Nous avons été ravis d'écouter tous nos panélistes, bien que en tant que modérateur, il m'incombe de formuler des conclusions, des remarques de conclusion. J'aimerais vous remercier tous d'avoir respecté le temps alloué. J'aimerais dire quelques mots. Le système onusien est déjà un système assez complexe. Il faudrait de toute évidence donc éviter les doublons et toujours être à la recherche et à l'affût de l'impact de nos actions. Dans certains cas, il est vrai qu'on devrait sans doute chercher à être beaucoup plus pertinent, avoir un impact beaucoup plus percutant vis-à-vis donc de nos parties prenantes. Et cela devrait définir le choix d'initiatives et de politiques qui devrait être adapté aux besoins des pays, mais qui à la fois reste conforme à l'universalité de certains principes qui s'articulent autour des droits humains. Et je pense qu'il y a donc une forte détermination pour qu'on puisse tous rapprocher nos ressources pour être source d'accélérateur de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et nous permettre ainsi de retrouver donc donc la bonne voie. Il est très symbolique de tenir un tel dialogue aujourd'hui. C'est un défi qu'on se lance à nous-mêmes ici à Addis Ababa, au cœur de l'Union africaine, en reconnaissant que si l'on devrait réaliser et réussir les ODD, il s'agit surtout de transformer les économies africaines en s'éloignant de l'ancien modèle qui portait beaucoup trop lourdement sur l'export des matières premières. Par exemple, merci, chers panélistes. Tout le monde m'avait mis en garde qu'il était impossible d'inviter 12 panélistes qui devraient se tenir à un temps très court. Et pourtant, ça a été fait, ça a été réussi. Merci à tous nos panélistes. Vous avez été merveilleux et merci à l'audience également. Nous vous invitons à un portrait de groupe. Merci. Merci beaucoup.